Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Askeban. Dans ce service, surtout s'abonner. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose. Et cette chose-là, vous devez forcément la découvrir. Parce que pour bien combattre son ennemi, qui est le diable, il faut le découvrir d'abord. Il faut savoir qui il est, comment il opère. Et aujourd'hui, nous parlons de l'argent. L'argent, la richesse. Les gens veulent être riches. Et on parle ici du pacte avec le diable. Le fameux pacte avec le diable. Ici, un soi-disant grand marabout va nous expliquer comment on fait les pactes avec le diable et combien d'années on bénéficie de cette gloire-là. Et franchement, ce que nous allons découvrir ce soir, ça va nous étonner. Si nous faisons cette vidéo, ce n'est pas pour vous inciter à vendre votre âme de diable, bien au contraire. Nous faisons cette vidéo pour vous décourager d'essayer de rentrer en contact avec Lucifer, Satan, parce que c'est le mauvais type. Et dans cette vidéo, nous allons également découvrir ce qu'on appelle une incantation. Une incantation, c'est tout simplement des paroles prononcées, mais des paroles, pas n'importe quelle parole, des paroles bien choisies qui peuvent influencer négativement votre vie. Quand vous insistez ou encore vous citez un certain nombre de fois ces paroles en question. Sans plus tarder, laissez-nous lire ce récit et nous allons en même temps réagir. Au fur et à mesure qu'on avance, vous pouvez également réagir de cette vidéo dans la partie commentaire. Sinon, cliquez sur j'aime si vous êtes touché. Abonnez-vous, vérifiez bien que vous êtes abonné. Sinon, cliquez sur abonnement de cette vidéo, cliquez sur la cloche, on vous l'a dit. Maintenant, nous allons lire ce récit. On nous dit, le plus grand voyant, marabout, médium d'un pays, on ne va pas dire le pays, et il a un contact, on dira pas le contact non plus. Il a même un WhatsApp. Oui, toutes les informations se trouvent devant nous. Mais si nous vous montrons directement ces informations, c'est sûr que beaucoup de personnes curieuses oseront aller tout simplement regarder ça ou encore appeler ce numéro. Moi, je n'ai pas le numéro. Il a même un WhatsApp. Alors, on nous dit un grand titre. On nous dit pacte avec le diable pour avoir de l'argent. Pacte avec le diable pour avoir de l'argent. Deux fois. Si déjà ils ont écrit ça deux fois, c'est qu'effectivement, ce n'est pas de la blague. Là, le seul fait qu'il y ait écrit deux fois cette histoire, cette histoire, ce mot ou encore cette phrase, c'est que ce qui va suivre, faites attention, ça ne sera pas joli. Ici, on voit déjà une photo où on voit un enfant qui a des billets de banque, il a plusieurs billets de banque devant lui. On ne sait pas pourquoi. Vous voyez un peu cette photo qui se trouve là, cette femme qui se trouve là, qui a tout simplement des billets de banque à la main, c'est pratiquement la même chose. Sauf que cet enfant-là est comme un féticheur, c'est ce qui représente bien ce démon qui est là, qui est censé représenter Baphomet ou encore le diable. La miniature que nous choisissons, ce n'est pas un hasard. C'est pour illustrer bien entendu ce que nous donnons dans les titres et ce qui va être dit dans la vidéo. Alors, du coup, on va savoir plus. Ici, comme vous le voyez, bon, comme nous le voyons, vous ne pouvez pas le voir, c'est nous qui allons lire le récit, il est écrit. Tout d'abord, vous devez savoir que faire un pacte avec Satan, cela est très important et surtout à ne pas prendre à la légère, car ce pacte a le puissant pouvoir de changer l'existence de votre vie financière à jamais. À jamais. On lui dit qu'une fois que tu vous faites le pacte avec le diable, votre vie financière va changer. Tout va changer dans votre vie. On dit bien à jamais.
Votre vie financière va changer à jamais. Est-ce que vous êtes sûr? On est plus loin pour en savoir plus. Puis on nous dit, en réalité, le pacte avec le diable consiste à réciter une prière d'invocation qui vous permettra de faire appel à Satan pour vos besoins financiers et changer l'existence de votre vie. Et bien entendu, ils ont mis le lien vers cette prière-là. C'est pourquoi nous ne voulons pas vous montrer ça. Sinon, il y a des personnes curieuses qui oseront lire cela. Une fois que vous serez en possession de la prière d'invocation, vous devez la réciter 6 fois. Vous devez la réciter 6 fois tout en suivant les instructions secrètes qui vous sera envoyé une fois que vous aurez passé votre commande. Ça veut dire que ici, vous passez une commande directement en ligne. Ça se passe en ligne. Même il a son WhatsApp. Ça se passe sur Internet. On donne la sorcellerie, les signes, même le pacte avec le diable en ligne. Faut faire attention, mes frères et sœurs. Quand on va plus loin, on nous dit, vous devez savoir que ces puissantes instructions du pacte avec Satan sont extrêmement puissantes et surtout dangereuses si vous ne respectez pas les consignes. On nous dit ici qu'il y a un danger quand on ne respecte pas les consignes de ce pacte en question. C'est dangereux, sérieux. Mais c'est effectivement dangereux parce que le simple fait de lire le pacte avec le diable, même de chercher d'appeler cette personne pour chercher à savoir certaines choses avec certaines choses relatives sur le pacte avec le diable, vous êtes en train d'ouvrir votre esprit à un démon. Ok. Plus loin, on nous dit, vous devez bien savoir qu'une fois que vous réaliserez ce puissant pacte avec Satan, vous serez le maître de votre vie, car Satan sera avec vous dans tout ce que vous ferez dans la vie. On dit que Satan sera avec vous de tout ce que vous ferez dans la vie après avoir lu ou encore après avoir fait ce pacte avec le diable. Tout le monde cherche Dieu dans sa vie. Tout le monde veut que Dieu soit avec lui, c'est sa protection, tout ça. Et tous les jours de sa vie. Et on nous dit ici qu'une fois que vous aurez lu 6 fois de suite le pacte avec le diable, ce soit déjà un pacte avec le diable, vous serez dans la merde parce que le diable sera là avec vous et veillera à ce que vous soyez toujours riche. Plus loin, on nous dit, l'argent ne sera plus du tout un problème pour vous car vous en notre suffisant. Bon, quand ils ont mal écrit, il veut dire que vous en aurez suffisamment pour votre vie, pour vivre toute votre vie. Car vous en aurez suffisamment pour vivre toute votre vie. Là encore, on nous dit, car vous aurez suffisamment pour vivre toute votre vie. Combien de temps aura-t-il donc à vivre après ce pacte avec le diable? Si on doit dire toute votre vie, il veut nous dire d'abord que c'est sans limite, n'est-ce pas? Oui, le diable ne vous dira pas que c'est limité, il vous dira que c'est extraordinaire, c'est beau, c'est ceci, c'est cela, mais il y a toujours un mais quelque part. Allons-y pour nous en savoir plus. On dit, tout ce que vous ferez dans la vie vous réussira. Une fois que vous aurez fait le pacte avec le diable, tout ce que vous ferez dans la vie va vous réussir. Pourquoi? Parce que le diable est avec vous. C'est comme quelqu'un va dire que ici,
Le diable se fait passer comme Dieu étant avec vous pour vous donner du succès dans toutes vos entreprises. Est-ce que vous comprenez? Quand on nous dit que le diable c'est un imitateur et c'est un menteur, vous voyez, il veut se faire passer ici pour qui? Pour Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur l'abonné, cliquez sur la cloche parce qu'une autre vidéo Storytime viendra. On est de plus loin. Vous pouvez même devenir une star de renommée, de renom international. Vous pouvez même faire de la politique et être vainqueur, voire même devenir président, ministre, ambassadeur, chef d'entreprise, etc. Ça veut dire que il y a beaucoup de personnes de ce rang-là, malheureusement, qui sont passées par quoi? Par là. Qui sont passées par là. Plus loin, on nous dit, notez bien les conséquences de ce puissant pacte avec Satan n'aura des retombées que par vous-même, car votre durée de vie sera 27 ans à compter dès que vous aurez conclu le pacte avec Satan. Quoi? On dit votre durée de vie sera de 27 ans après avoir fait ce pacte avec le diable. Ou encore après avoir lu 6 fois cette incantation que vous sera prescrit par ce soi-disant grand féticheur. Mes frères et sœurs, quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Même si vous avez 100 ans, est-ce que vous aimeriez mourir à 27 ans? Plutôt, 27 ans plus tard? Est-ce que vous là même vous trouvez? Vous aimeriez mourir 27 ans plus tard? Mais sachez que le diable aussi c'est un menteur. Il peut vous dire vous aurez 27 ans à vivre. Mais le problème est que il va dire à un moment donné que on s'était trompé. C'était plutôt 2 plus 7. Ça fait 7, 8, 9 ans à vivre. Ah là là. C'est là que vous allez dire, ah Seigneur Jésus-Christ, au secours, je ne savais pas. Ah. Vous connaissez du succès déjà. Mais si vous êtes passé par ce moyen, c'est le moment de chercher Dieu. Parce que le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. Après ça, on nous dit que, c'est-à-dire, quelle que soit votre durée de vie ou votre âge, dès que vous aurez fait ce puissant pacte avec Satan, votre vie sera limitée à 27 ans, ni plus ni moins. Attends. Votre durée de vie sera limitée à 27 ans après avoir récité ça. Ou encore après avoir signé le pacte avec Satan. Est-ce que vous vous en rendez compte, mes frères et sœurs? Est-ce que vous vous en rendez compte? Et plus loin, on voit son numéro, on voit son nom, son numéro, son email. Il a même un compte Facebook. Il est également sur WhatsApp. Il a même un site internet. Deux sites internet, même, je dirais. Et il s'appelle le plus grand voyant marabout médium. Vous-même, vous entendez voyant. Vous entendez encore marabout. Et vous voyez encore médium. En un mot, c'est un agent du diable qui est prêt à acheter les âmes des gens. Lui, son rôle, c'est de vendre les âmes à Satan. En fait, il achète les âmes des gens pour les redonner à Satan. C'est son business. C'est son business. Sinon, vous pouvez lui poser la question de savoir, mais toi, tu es déjà un marabout. Tu dis que tu es fort, tu es le plus grand. Mais pourquoi
Donne-tu ton numéro aussi? Et pourquoi es-tu en train de chercher l'argent au travers de cette histoire? Ou bien tu ne vas pas me dire que tu fais un travail gratuitement pour les gens? Ou encore les gens qui offrent leur âme au diable? Pourquoi les marabouts que vous allez voir en général, ils ne sont pas riches? Même s'ils sont riches, c'est le diable qui est à l'origine de la richesse. Qu'en pensez-vous? Mes frères et sœurs, et ça, c'est tout sauf de la blague. Nous avons fait une vidéo ce matin pour vous dire que le diable a cet argent. Et ce sont des humains, des hommes qui combattent sérieusement contre notre vie. Et ce dont nous sommes en train de vous parler ici, c'est tout sauf de la blague. C'est le moment de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et de vous contenter de ce que vous avez. Cette fille à l'écran, est-ce qu'elle a beaucoup de sous? Elle a le peu. Contente-toi du peu que tu as. Mais ne cherche pas à vendre ton âme au diable. Ici, ils vous ont dit, ils ont signalé 27 ans à vivre. Mais vous ne savez pas ce qui peut se passer après. Ils peuvent vous dire qu'au lieu de 27 ans, ça va être 7 plus 2. Un jour, il y a un sataniste ou encore une personne qui allait vendre son âme au diable pour de l'argent. Et ils nous ont dit qu'il aura 50 ans de succès. Hey! Et quand elle a fini de signer son pacte avec le diable, à un moment donné, il a commencé à compter les années. Il lui restait 2 ans à vivre. Plutôt, c'est-à-dire qu'il était maintenant dans la troisième année. Et il allait voir le futur. J'ai dit, tu vois, il a fait 3 ans de succès, franchement, ça a marché. Je vais te récompenser. Le futur a dit, oui, c'est bien parce que tu restes encore 2 ans à vivre, donc tu peux profiter de tes années à vivre. De tes années à vivre. Il dit, quoi, comment ça? Il dit, c'est vrai, on t'a dit 50 ans, mais sache que les démons ou encore les esprits, eux, ils ne considèrent pas le chiffre après la zéro. C'est-à-dire le zéro après le chiffre. C'est-à-dire si vous avez 50 ans, 50, le zéro qui est derrière 50 là, enlevez-le, il reste combien? Il reste 5. Quand vous effacez le zéro, il reste 5. C'est-à-dire que lui, il aura maintenant 5 ans à vivre. Sinon, s'il a déjà gaspillé 3 ans, 3 premières années, il lui reste 2 ans. Vous le voyez en train de taper sa tête en train de pleurer maintenant. Oh! Au secours! Le diable m'a trompé. Le diable m'a menti. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ce sont des choses qui sont réelles. Et ce que nous vivons, c'est ça. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Aujourd'hui, Dieu veut nous aider. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas avoir. Ne nous laissons pas avoir. Laissons Dieu nous donner. Le diable veut se faire passer pour Dieu. Jean, un homme qui bénit. Effectivement, comme vous allez signer le pacte avec le diable, vous aurez l'argent. On n'a pas dit que vous n'aurez pas l'argent. Vous aurez la richesse. Vous aurez tout. Vous pouvez même être devenu président, comme ils l'ont dit. Ministre, ambassadeur, tout ce que vous voulez. Mais votre âme est déjà vendue. Ça veut dire que vous irez à l'enfer. Ça, ils ne vous ont pas dit ça. Ça, ils ne vous ont pas dit ça. Est-ce qu'ils ont dit dans le récit que vous irez à l'enfer? Après avoir vendu votre âme au diable pour de l'argent, pour la richesse, ils ne vous ont pas dit. Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Non. Mes frères et sœurs, faites attention à votre vie et revenez à Dieu qui vous sauvera la vie. Prenez soin de vous. J'espère que vous êtes abonnés. Sinon, cliquez sur l'abonnement de cette vidéo, cliquez sur la cloche pour activer et pour pas vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Sur, on se reprend. Dieu vous parle aujourd'hui. La prochaine vidéo sera un témoin puissant 133. Ne manquez pas cette vidéo. Nous-mêmes, nous allons réagir sur cette nouvelle vidéo. C'est un nouveau témoignage que nous venons de recevoir. Ça va être chaud. Préparez-vous. Let's go. Pour nous, de vos décisions dans votre vie. Par exemple, vous hésitez à vendre vos âmes au diable. Sortez de là. Parce que parfois, là, les amis, la copine poussent beaucoup de personnes à l'action. Ne le faites pas. Ne faites pas que les difficultés de votre vie vous incitent à le faire.
sortez de là, s'il vous plaît. Que Dieu vous garde. Fais cette prière aussi avec nous. Ça va être du grand utilité. Dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, éloigne de moi le diable et ses ruses, toutes ces choses mauvaises, tous les mauvais conseils qui risquent de me pousser à faire des trucs pareils. Éloigne de moi toutes ces choses, que ce soit les femmes ou les amis, même les parents. Éloigne de moi le malheur. Que toi-même, Seigneur, tu sois mon guide et que tu me donnes la bénédiction. Car toi seul est le chemin que je vais suivre. Amen. Dieu va vous aider. Suivez le chemin de Dieu. Et si vous voulez être béni, lisez Deutéronome 28. Dieu va vous dire ce qu'il faut faire pour être béni ou encore avoir la richesse. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la vie sur terre, c'est la vie après la mort, c'est-à-dire au ciel. Recherchez plutôt ce qui est dans le ciel et Dieu va vous donner tout ce qu'il vous faut pour vivre. Ne désirez même pas avoir les belles voitures, ne désirez même pas avoir les plus belles maisons de la planète. Cherchez à vivre de façon simple parce que notre Dieu, il est simple. De toutes les façons, aucune chose sur la terre ne vivra éternellement. Tout sera détruit. Donc pourquoi se fatiguer? Avant son âme au diable pour des choses qui vont disparaître plus tard. Faites attention à votre vie. Prenez soin de vous. Yes, we're born. Yes, go.